je vous en prie. Oh, quel beau parti pour Frédéric. Mais accepteront-ils de s'allier avec un petit bourgeois comme nous, hein? Alors, nous disions que vous souffrez d'une légère affection depuis... Oh, ça va beaucoup mieux maintenant. Voici ma petite facture pour un meuble de salon. Un meuble de salon? C'est votre femme qui m'a prié de prendre numéro 17. C'est très malin ce que vous faites là, docteur. Qui êtes-vous? Tapissier. Comment? Le tapissier? Mais je vous prie de croire que c'est à mon insu. Plutôt, vous n'allez pas vous excuser. Est-ce que chaque état n'a pas ses petites ficelles? Moi-même. Mais je vous assure que ma femme compromet. Voici mon mémoire. C'est une vente à la somme de 4000 francs. Bien, permettez que j'examine. Non, alors, un fauteuil, 150 francs. C'est tout au juste. Et des chaises de salon, 90 francs, mais c'est exorbitant! Tito, vous n'allez pas me marchander après le service que je viens de vous vendre! Quel service? Je suis 17, je suis votre petit 17. Bon, écoutez, ajoutez votre mémoire. Voici votre argent. Tito, docteur. Oui. La prochaine fois, si vous avez besoin de quelqu'un, je vous recommande mon frère. Pourquoi faire? Un paresseux, il a un habit qui sera très modéré. Vous êtes payé, cela suffit. Je ne vous retiens pas. N'empêche que c'est un vieux malin. Allez, hop! Dehors! Oh! Ma femme me fait jouer un rôle ridicule. Eh bien, as-tu payé le tapissier? Numéro 17. C'est une bonne idée que j'ai eu là. Oh, ça, je vous fais mon compliment. Vous me faites passer pour un charlatan au lieu de cet homme. Oh, tapissier. C'est comme ce grand escogriffe en livret. Mais comment tu l'as pas reconnu? Non. C'est le chasseur du premier. Ah, il est très bien, mais j'y vais bavarder, c'est inévitable. Et je serai la femme de cette maison. Il fallait bien quelqu'un pour porter la lettre de la duchesse. Ah. La lettre de la duchesse? Je ne dis pas. Joli, c'est bien tourné, surtout le post-scriptum. Méchant docteur. Vous ne voulez donc pas être? De l'académie, quelle figure faisera-t-il noir? Il est resté épaté, tu ne sais pas, il a regardé ma chaîne. Je te dis qu'ils ont été charmés, éblouis tous les deux. Tu crois? Et pas plus tard que demain, nous entendrons parler. Oh, vraiment? Maman, viens tout de suite rentrer. Voilà la clé de l'office. Eh bien, mon enfant, tu ne m'embrasses pas. Tu sais, ton père vient de se donner beaucoup de mal pour toi. Quoi donc? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret, ne le révèle pas. Sois tranquille. Il s'agit de mariage. Ah, franchement, que... Quoi? Il y a ta dernière un bouton qui ne tient pas. Veux-tu me le recoudre? Si, j'ai justement de la soie noire. Allez. Tiens, mettons-nous sur le canapé. Me v'là. Je reviens du marché. Eh ben, vous y avez mis le temps. Madame, veut-elle compter? Oui, donnez-moi votre livre. Là. Oh, oh. Donc, voyons voir. Du 15, les deux sous. Un lapin, 50 sous. Mais c'est horriblement cher. Il y avait la maladie sur les lapins. La maladie? Oui, monsieur. La bête m'a l'air bien sous, tiens. La potée à monsieur, 5 sous. Comment ça, la potée? D'abord, il s'avait cassé. Sans dépenser. De tirer la duchesse de Montefiascone, c'est l'assister à son cadeau de famille. Tiens. Alors, du 16, un chou. 18 sous! Il est pointu, madame. Madame? Oui. Oh. C'est une visite. En visite? Monsieur et madame. Ratinois. Ah, mon Dieu! Eux! Mais... Thank you.
monsieur. Mon ami, mon ami. Tiens, tablier, encore le tablier. N'arrêtez pas pour le dos, ça, vous. Entrez. Tu les fais.
C'est un mariage flambé. Allons donc, qu'est-ce que vous dites là? Oh, ne te trouble pas. Continue à faire des quittances. C'est un travail qui demande réflexion et sang-froid. J'ai bien peur que ton père n'ait raison. Voilà 15 jours que nous avons fait la demande et nous n'avons toujours pas de réponse. Qu'est-ce que cela prouve? Oh, cela prouve que nous avons visé trop haut. Il y a, là-bas, un train de maison. Je n'ai rien remarqué. Oh, un amoureux. Tu n'as vu que la petite. Mais moi, j'ai vu le chasseur. Un homme de 7 à 8 pieds de haut. Par exemple? 7 à 8 pieds. Rien n'échappe à l'œil clair dans la terre. Et la voisine, prend des leçons de vie près. Elle en a le moyen. Quand on a un papa qui reçoit 4000 francs d'un coup, je les ai comptés, et qu'il les met tranquillement dans la poche comme si c'était son étui à lunettes. Ce n'est pas une raison. Mais enfin, sais-tu bien quel est cet homme dont tu briques la fille? C'est un médecin. Oui, un médecin. Un médecin qui n'aurait qu'un mot à dire pour être de l'académie. Il dira un mot, il en serait. Et sa chair? As-tu remarqué sa chair? Non. Il n'a rien remarqué. Et tu voudrais qu'un pareil personnage aille s'allier avec le fils d'un ancien confiseur? Oh, mais quelle rage avez-vous de dire toujours que vous avez été confiseur? Je ne rougis pas de ma profession, je n'en parle à personne, mais je n'en rougis pas. Mon bon sang, je crois qu'il ne faut plus songer dans ce mariage. Mais on n'a pas refusé, maman. Vous interprétez le silence. Le silence des grands et la leçon des petits. N'oublie pas les portes et fenêtres. Hein. Quand je suis allé rendre ma visite, le lendemain de la demande, M. Malajard a été très aimable. Il m'a donné des conseils pour ma carrière. Il m'a engagé à plaider les expropriations. Bonne branche. Très bonne branche. Madame Malajard t'a dit. C'est étonnant. Madame, votre mère ne va donc jamais aux Italiens? Je ne l'ai pas encore aperçu. Je me suis donc empressé d'aller louer une loge pour la saison. Et c'est salé dans ce théâtre-là. C'est un sacrifice momentané. Ah, je l'ai compris. Quand on a l'ambition d'entrer dans une pareille famille, il faut faire les choses dignement. Aussi, lorsque tu m'as fait remarquer que je ne peux pas dignement aller aux Italiens à pied, je me suis empressé d'aller louer une voiture au mois, ce qui est encore très salé. Puisque c'est l'usage. Je ne dis rien. Il faut faire les choses dignement. Mais s'il m'avait été permis de choisir le théâtre, je n'aurais pas choisi celui-là. Pourquoi? Bon, il donne toujours la même chose. Quatre fois que nous y allons, quatre fois rigolito. D'abord, c'est en italien, on n'y comprend rien. Quoi? Oh, toi, tu as beau crier Prada, Prada, Prada. C'est du ronflement. Mais mon frère, nous avons le plaisir de voir monsieur et madame Malajard avec leur demoiselle. Oh oui, nous les saluons de notre loge, ils nous saluent de la leur. Ça peut durer une infinité de rigoletto comme ça. Par contre, il y a une chose pour laquelle je m'élève formellement. Quoi donc? Sous prétexte de faire part au Malajard que nous avons des relations, tu m'obliges à distribuer des relations, des salutations à un tas de gens que je ne connais pas. Mais puisqu'ils te les rendent. Ah, pas tous. L'autre soir, je suis tombé sur un ministre plénipotentiaire. Je lui ai fait comme ça, de la main. Eh bien? Et il m'a regardé avec une certaine raideur. C'est très désagréable. Papa, voilà tes quittances. Merci, mon enfant. Tu sors? Oui, une course à faire. Bon, dis donc, prends la voiture, hein, et pour moi, il faut l'utiliser. Si vous ne vous en servez pas. Oh, moi, jamais. Ils sont deux là, deux grands coquins de chevaux à piaffer toute la journée où ils dépassent la cour. Hein. Bon, alors, à tantôt. Hein. Emeline était au bois hier, mais il sera peut-être aujourd'hui.
Je vais écrire à ma couturière. Pourquoi faire? Eh bien, pour lui commander des robes. Des robes? Avec des corsages, Rigoletto, des Italiens. Mais c'est très salé tout ça, hein? Nous ferons nos petits comptes à la fin du mois. Bonjour! Ah, c'est l'oncle Robert! Latinois, tout le monde va bien? Oui? Oh, Frédéric n'est pas là, il vient de sortir. Ma nièce! Ah, elle est là, je vais la chercher. Non, non, ne la dérange pas, je n'ai qu'à l'instant. Je passais dans le quartier pour que je sois à Bercy à 3 heures. J'ai un bateau de charbon. Ah, toujours en affaire, hein? Vous vous reposerez donc jamais? Oh, le plus tard possible. Vois-tu, Ratinois, quand on est arrivé à Paris avec tout sous en poche et qu'on a commencé sur le port, parce que j'ai commencé sur le port. Je sais, je sais. C'est drôle, depuis que je vais dans un certain monde, je le trouve commun, l'oncle Robert. Eh bien, je n'en suis pas plus fier pour ça. Parle. Ces boucles d'oreilles sont odieuses. Parce que je me dis, l'homme vaut ce qu'il vaut. Mais dites donc, ça ne vous gêne pas? Bah quoi? Que ces machines-là. Je les porte de naissance. Je ne les trouve pas jolies. Ah mais je n'ai pas dit ça. Mais au cas où ça vous aurait gêné, vous auriez pu les ôter. Ça ne me gêne pas, je te remercie. Il y a. Je disais donc, l'homme vaut ce qu'il vaut. Toi, tu es des conviseurs. Eh bien moi, je suis marchand de bois. Mais chut! Bah quoi? Mais il est inutile de crier que j'ai été conviseur et de hurler que vous êtes marchand de bois. Oh! Moi, je ne rougis pas de ma profession, moi. Tu vois, elle est magnifique. Mais tout le monde ne peut pas entrer dans cette belle carrière. Ah, certes! Ainsi, lorsque vous criez « Je suis marchand de bois », c'est comme si vous disiez aux autres « Imbécile, vous qui ne l'êtes pas, alors que moi, je le suis !» C'est de la gloriole. Puisque c'est ça, ben je me tais. Oh, 2h30. Bonjour. Vous me reverrez tantôt. Oh. Eh ben, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ta femme, le 22 avril. Sapristi, je l'avais oublié. En revenant, je passerai par le quai aux fleurs. J'achèterai un oranger. Votre petite surprise de tous les ans. Oh, ben c'est encore ce qu'on fait mieux. Hein. Vous dînerez avec nous, hein, nous n'avons personne. Ça va. Pas de cérémonie. Ah, c'est convenu. C'est pas pour vous qu'on fera des façons, hein? Bon, eh bien, à 6h. À 6h. Ah, ça. Et Frédéric? Vous auriez pas le marier, ah, il y a peut-être quelque chose en train. Et quelque chose de bien? Oh! Un parti inespéré. Un marchand de bois. Pas tout à fait. Mais ça n'avance pas, ça traîne. Il faut chauffer ça. Veux-tu que j'aille voir la famille? Oh non, merci. Si elle se rencontrait avec la duchesse. Parce que tu sais, je l'ai dit, hein. Je suis riche. Je n'ai pas d'enfant. Le jour du mariage, je ferai un cadeau. Un beau cadeau. Pour ce brave oncle Robert. Bien, à 6h. À 6h. Ne parle pas de ma petite surprise, hein, l'oranger. Oh, soyez tranquille. Ah, quel excellent homme. Il adore Frédéric. Il est capable de lui offrir tous couverts d'argent. Ah, c'est égal. Nous avons visé trop haut. J'ai bien peur que ce mariage ne se fasse pas. C'est dommage. Monsieur, il y a là un monsieur et dame qui attendent monsieur. Ont-ils dit leur nom? Monsieur et madame Bonajard. Ah, sapristi, sapadier. Et ma femme qui n'est pas là? Constance! Constance! Oh mon Dieu, qu'y a-t-il? Ils sont là. Qui ça? Le père, la mère. Que faut-il?
occupé, si occupé. Mais donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Plaisir de voir Monsieur Ratinois. Me voilà, j'arrive. J'étais dans mon cabinet de travail. Docteur, et vous, madame,
Je crois être le fidèle interprète des sentiments de Madame Ratinois, des miens propres et ceux de mon fils Frédéric, avocat, en vous faisant part de toute la gratitude affectueuse et des bénédictions d'une famille qui... d'une famille que... Enfin, voulez-vous dire avec nous? Aujourd'hui? Ce serait charmant. Un tel honneur serait du bonheur. Nous serions en famille. Enfin, nous ne voulons pas vous refuser, mais à une condition. Oh, laquelle? Ce que vous ne ferez aucune espèce de cérémonie. Oh, nous ne pas du tout. Notre ordinaire, rien que notre ordinaire. Permettez? Oui. Allez me chercher tout de suite le gérant de M. Chevet au palais royal. Comment? Vite, vite! Il est bien convenu que nous ferons aucune espèce de toilette. Nous resterons comme nous sommes. Maintenant, j'aimerais vous demander quelques minutes d'entretien, mon cher Ratinois.